Salut les guerriers et bienvenue dans Fitness Evolution. Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur le programme de Christophe Carillo. Si vous me voyez un peu fatigué, il est 6h du matin, on a commencé à 6h du matin, donc c'est normal. Donc la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'était le CTS phase 1. Donc c'était à faire pendant quelques semaines pour se mettre en jambe sur le programme. C'était un full body. Aujourd'hui, on passe au CTS Fondation Phase 2, donc une petite évolution dans le programme. Avec plus d'intensité, on passe d'un full body à un half body. Aujourd'hui, nous allons voir deux séances, une haut du corps et une bas du corps. Et on commence tout de suite avec la séance bas du corps. C'est parti. On a un super set avec un peu de pré-fatigue et des enchaînements dynamiques derrière. Ok, donc maintenant on passe au cœur de la séance avec toujours les circuits métaboliques. Je crois qu'il adore ça. On a 11 séries à faire, ça je vous le donne, c'est d'office. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Non, ça va engendrer une grosse réaction chimique dans votre corps qui vont permettre la prise de muscle et surtout de perdre énormément de gras. Dernier exercice, on va faire un travail de finition en série longue, une série par exercice, maximum de répétitions et c'est parti. Bas du corps, c'est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va passer maintenant à la séance haut du corps. Donc pour l'instant, c'est ce qui fait défaut dans ce programme. Les séances bas du corps, c'est très cardio, ça demande énormément d'énergie. Je ressens que mes jambes travaillent, alors que les séances haut du corps, c'est un peu plus léger. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Le premier exercice, c'était un super set entre des pompes avec élastique.
Sur le programme, c'est noté qu'il faut prendre les élastiques jaunes ou rouges si les jaunes sont trop faciles. Personnellement, les deux restent très faciles. Donc, je vais peut-être essayer avec le violet. On a la même chose avec le rowing élastique. Donc, c'est comme votre rowing bar lorsque vous faites en salle. Sauf que là, on est avec l'élastique à l'horizontale. Donc, ça se rapproche plus de la machine à tirage horizontal. On va chercher à ramener les omoplates au centre du dos. Donc, les sensations avec l'élastique sont pratiquement les mêmes, j'ai envie de vous dire. Sauf que la résistance est assez faible. Donc on joue sur les tempos, mais ça reste léger, c'est pas des points. C'est parfait. L'exercice, c'est du tirage vertical en soi. La machine où vous êtes assis à la salle et vous ramenez la barre au niveau des pectoraux, c'est le même ici. En fait, c'est des tractions simplifiées. Vous arrivez à visualiser un peu le mouvement. On ramène le coude au niveau des côtes pour travailler le grand dorsal. C'est ce qu'on a du mal à travailler lorsqu'on n'a pas de matériel de musculation à domicile. Donc avec les exercices, on peut se permettre de le faire. Ici, le mouvement il n'est pas évident à faire. C'est pas du butterfly pour le premier exercice. C'était un exercice combiné où on avait du curl biceps pour ramener l'élastique et de la pousser en fait simplement. Donc dans un premier temps on travaillait les biceps, dans un deuxième temps les pectoraux. De la même manière pour l'exercice d'après, on avait du rowing pour travailler le dos, puis une extension des avant-bras pour travailler les triceps. On est sur un circuit métabolique où on doit mettre de la vitesse. On a un temps d'effort, un temps de récup. Mais pour mettre de la vitesse sur des exercices combinés, c'est compliqué pour une première. Il faudrait peut-être retravailler encore et encore le mouvement. Peut-être que ça deviendra plus fluide. Mais là, j'ai essayé de bien contrôler plutôt que de garder la vitesse. Donc le cœur, il n'est pas monté assez. Bon, voilà, vous avez les deux séances du CTS Fondation Phase 2. Bien sûr, je ne vous donne pas tous les temps de repos, tous les temps de travail. Vous pouvez vous en inspirer un peu. Ces deux séances-là ne sont pas à faire l'une derrière l'autre. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une seule vidéo. Il ne nous en restera plus qu'une. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. La semaine prochaine, on se revoit pour le CTS Fondation Phase 3. C'est le dernier rentraînement de ce programme. Donc, je pense que l'intensité, là, elle va être au rendez-vous. Si c'est pas le cas, bah, je vous dirais de ne pas acheter ce livre. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau des jambes, ça bosse énormément. Je pense que c'est un super programme pour brûler de la graisse. On a parlé d'esthétique et de performance. Esthétique, pour moi, ça sera au rendez-vous seulement si vous avez un faible niveau, débutant, intermédiaire. Mais pour des experts, ça ne sera pas assez efficace. Même en jouant sur la bande de résistance, une bande violette de résistance, je ne sais pas, c'est 45 kg, je crois, ça ne sera jamais équivalent à 100 kg de fonte. Donc pour l'instant, pour les débutants intermédiaires, niveau esthétique, ça peut faire l'affaire. Niveau performance, on y est, on est en plein dedans. Beaucoup d'isocontraste, beaucoup de circuits métaboliques. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour finir ce programme. Et puis moi, je vais aller. Hop. Je vous rappelle qu'on se retrouve en Italie, plus musclé, plus bronzé. Bronzé, ouais. Et plus gros.